nous entendons des manavas, si nous entendons des maps, saluons. Bonjour, bonsoir. Et quel que soit que tu es, nous saluons encore une autre fois. Rendez-vous. Nous pas raté. Est-ce que les gens qui sont là attendent, voir ça, qui parlent à la? On va dire si oui, nous entendons des voix. Dis-moi si vous entendez voix. Pour me continuer, je vais parler dans le vide. Et en fait, nous sommes là, ici, à Washington, tout le congrès là. Donc, on va dire si vous entendez moi. Hein? Dis-moi si vous entendez moi. Dis-moi, est-ce que vous entendez voix? Bon, monde qui dit ok. Donc, fenêtre, bon, monde qui dit ok. Donc, voix bon. Ok, on va aller. Jean-Hubert Philippe, je salue nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC, Grand Prix, c'est ça, domine l'actualité. Et pratiquement, dossier Libye, quand c'est les gens qui disparaissent après l'inondation qui fait le pays là. Donc, le chiffre là, comme ça, a augmenté toujours avec les gens qui mourent. Pour faire le temps de thème à Walk là, qui fait le pays là depuis vendredi passé. Et bon, aide a commencé à priver. Et des pays qui sont toujours en attente et qui ont été proposés pour être assistés, pour être assistés dans le bail. Mais jusqu'à présent, il a semblé que le gouvernement marocain pour qu'on bail une réponse définitive sur ce dossier-là. Ici, aux États-Unis, il y a l'autre dossier qui est là, mais les républicains, républicains dans la Chambre des députés, surtout c'est le président de la Chambre des députés même, Kevin McCarthy, qui fait annonce que les demandes pour qu'après enquête, il mène 9 mois, bien entendu, il a mené la sous-président Joe Biden, comme quoi. Le président Biden a une connaissance sur l'activité à faire petit lit et Hunter Biden a fait à l'étranger. Il a bénéficié de ça, au bien pour un tour, l'activité familiale a fait. Eh bien, bon. Et République dit, a continué au monde pour faire une enquête pour nous, avec l'autre objectif, son enquête pour va mettre en accusation. La possibilité pour utiliser ce pouvoir. Ça veut dire que les chambres députés ont mis l'enquête là, ils ont voté, si ils ont voté sur l'article. Article pour écouter le président, pour accuser le président et s'il passait, en commençant à ouvrir le dossier devant le Sénat, qui lui-même va voter pour réjouir en recours de mon tribunal, pour que la justice éventuellement pour juger le président. De façon, et d'après Experio, il dit que, bon, en fait, ça arrive dans un mauvais moment. Dans un moment, républicain même qui dit ça, il arrive dans un mauvais moment, dans un moment, il a parlé là, il a pas entré. Pour préparer à l'élection 2024. Et il y a un expert qui dit que c'est très difficile pour une enquête comme ça réussir, étant donné que les démocrates, en fait, les républicains ont une majorité, tout mais sans chambre députée, soit en total 5 sièges en plus de démocrates. Donc, ça peut faire d'abord, c'est qu'ils ont serré entre eux-mêmes pour que ne pas gagner une démarcation entre membres, c'est-à-dire pas gagner républicain qui t'a démarqué pour quitter rang. Donc il faut que tout républicain ait arrêté voter entre républicains et puis démocrates voter entre démocrates. Donc pour un projet comme ça d'avancer, donc c'est très difficile pour une initiative pareille arriver passer dans la chambre des députés pour aller et dans la chambre sénat. Et s'il vient dans le sénat et côté démocrate sont contrôlés, donc il était difficile encore pour l'État réussir vraiment pour arriver et mettre le président en accusation et même jusqu'à ce que l'État même retire son pouvoir. Donc c'est comme ça, pratiquement la situation est. Donc et sur le même dossier là, et puis le dossier ça annonce que ça arrive du tout dans le moment côté et bon l'autre confrontation qui apparaît tout qui sur la Bolivie là. Si côté et congrès a parlé en confrontation avec la Maison Blanche, soit fait financement et gouvernement fédéral. Parce que l'argent qui est disponible pour l'employé fédéral, tant que nous-mêmes, eh bien, bon, l'argent a pas bien l'argent encore après le 30 septembre pour payer l'employé fédéral. Donc, on entend qu'il doit le faire. Monsieur, vous voulez passer une résolution. Et provisoire en attendant que les jeunes nous entendent, mais il y a des difficultés sur ça. Donc c'est là que le problème est posé. Et si tu as gagné au côté que le gouvernement américain, le gouvernement fédéral l'a fermé à cause de l'argent pour payer l'emploi, ou le gouvernement fédéral a continué à fonctionner, et bon, tout simplement, il va être difficile tout pour une enquête menée pour inculper ou bien encore pour accuser le président, ça va être mis en accusation, président Joe Biden.
et parce que le gouvernement pas fonctionné. Donc c'est un dossier qui est vraiment un petit peu compliqué. Margui pour parler de ça avec nous dans le journal radio sur télévision. Et puis nous avons l'autre dossier qui n'a pas eu de Maroc, n'a pas eu de visite par exemple. Et leader Corée du Nord qui m'ont fait en Chine, fait en Russie. Il a rencontré avec le président Vladimir Poutine et il a semblé des promesses qu'il fait, donc peut-être que promettre que pour l'État, pour l'aider. Et il a supporté le président Poutine dans 6 ou 4 pays, l'autre pays, le pays occidental, il a attaqué les États-Unis. Voilà, mais sans pas un bail que le pays occidental ouait de bon oeil, par exemple, la France a déjà déclaré que ça a monté à qui pour que. Et là aussi, ils ont des sociétés internationales là. Donc, mais il y a des gens qui ont été dit que le visa est plus positif pour faire des armes, etc. Je sais Guy Philippe, jusqu'à présent, il n'est pas clair, il y a une émission spéciale sur Guy Philippe avec l'avocat américain et Concanan, qui lui-même t'a expliqué les possibilités ou les scénarios qui ont arrivé dans le cas de Guy Philippe. Et nous connaissons que l'autorité américaine. La justice libérée, mais qui est nommé ICE, qui est l'agence d'immigration américaine, qui normalement en charge pour le processus, si il y a déporté le pour déporté lui ou pas, nous ne connaissons. Mais quand même, l'avocat Concanan a expliqué le scénario. Donc, si monsieur fait 6 mois, quand il doit apparaître devant un juge pour le juge là, il fait 6 mois là, il ne peut pas rien, il ne pas bail. Le juge là, il doit demander pour libérer le juge. Ça, c'est si au cas que l'autorité haïtienne ne peut pas bail de documents, bien ça, il est un document voyage qui t'a permis que Philippe en Haïti. Ou bien l'autre scénario que qu'on a expliqué, c'est que il est capable de mettre monsieur en prison en attendant que il y a assez de monde, que les États-Unis, il y a assez de monde. Et pour déporter en Haïti, et les SAM fait partie d'un cargo, un avion qui peut aller en Haïti et qui peut aller poser tout le monde, donc il fait là-dedans. On s'est posé la question tout pour nous demander est-ce que si par exemple que, Haïti a refusé et accepté pour qu'il puisse retourner dans le pays. Bon, il dit que c'est des choses possibles, mais les États-Unis ont bien l'évêché, ils ont un moyen de faire pression sur le gouvernement haïtien pour lui. Pour lui demander, pour l'autorité haïtienne accepter qu'il fasse. Donc autant de dossiers, mais jusqu'à présent, il n'y a pas aucune claire, est-ce que Philippe parle en Haïti ou pas. Mais l'avocat qui Philippe peut faire là-bas, il connaît qu'il a déjà fait demande d'un document de voyage pour Philippe, même avant libération, il était déjà déposé tout bail, toute demande qu'il était peut faire, et même l'ambassade d'Haïti à Washington, mais il semble que l'ambassade a dit eux-mêmes, dans la connaissance parlée, il ne connaît pas que tu sois un document pour ça, mais il n'y a pas nié tout que le document est capable vraiment uni, mais nous-mêmes nous dit. Maintenant, autant haïtien pas de paiement et pas de rien sous dossier-là pour le presser. Dossier haïtien-dominicain, on finit toujours là. L'ambassade américaine en centre de Dominique, bien dit rappeler les Américains. En Haïti, que pendant que le bonheur, si il a passé par ce domaine, peut-être quitter Haïti plus vite pour aussi passer. Et le gouvernement dominicain, et en la personne du président Luis Abinader, les menacer et les fixer délai, et qui se juge 14 septembre, non, pour que les fermer frontières, que ce soit par voie aérienne, mer, maritime ou bien terrestre, la fermer tout, bah, ça honnête avec Haïti. Si et l'autorité haïtienne n'a pas campé sous barrage que a fait, sous prise barrage a fait sous rivière Massacre là, qui est dans le département nord-est. Alors que un responsable administration et gouvernement et premier ministre qui était allé dans la zone non, et bien, il s'est rencontré avec les locaux pour parler de barrage, mais c'est une initiative qui n'a pas pour avec le gouvernement, mais c'est une initiative purement. Et citoyens dans la zone qui étaient prêts par l'État, ils étaient campés après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais les citoyens dans la zone qui sont passés 2 ans là et non sécheresse, donc ils pensaient que pour une brèche dans la rivière là pour oser
Et jardin, j'étais près de 3000 hectares et bien sûr ça t'a capable de eux, mais Dominique a dit non et campé sur ça parce que ça n'a pas un problème environnemental. Il y a des techniciens qui parlaient dans la presse en Haïti qui parlaient de problèmes et techniques qui posaient peut-être que et, si pas une assistance en charge ou bien encore le gouvernement pas dit qu'à faire, il y a des possibilités pour qu'il y ait des problèmes en construction hein, qui apparaissent dans ces normes. Donc des problèmes que quand même. Ça dépend de monde qui dit, il y a des gens qui dit que Dominique va baiser faire pression parce que eux-mêmes ils ont pris 11 prises. Non, il y a un massacre là, donc c'est pour pas ici, tu n'as pas le contentatif de tout ça. Et il n'y a pas raison de ta partie, pour qu'on apporte quand le pays critique, la distribution doit être faite de façon égale, égaux, c'est-à-dire que chaque pays doit être en mesure de prendre la même quantité, et ouvert la même quantité de brèche dans la rivière là, pour user la caillou, alors que le pays qui vient d'en prendre 11 selon ça qui dit, alors que les Haïtiens, c'est la première fois qu'ils le font, jusqu'à présent, il y a des problèmes comme ça. En tout cas, c'est ton. On fait une mission que le responsable dans le cabinet premier ministre qui est allé, il dit même que c'était donné le tal recueilli pour le protéger, il faut un rapport par le gouvernement. Sur la question si là, mais il était rencontré, que le était en contact avec le monde qui a fait la construction de barrage là, il était dit que danger que ça a façon à faire là, si on a une inondation, si on a une tempête, si on a une tempête, on a un ouragan, il y a un peu de dégâts qui fait. Vu que il est probable que barrage à faire pas respecter les normes, etc. Mais c'est une initiative que, bien sûr, que le président Jovenel Moïse a pris dans ce sens-là, a commencé, et bien, il a l'élmour en 2021, le dossier a été coupé, malgré que l'élmour est là, et le gouvernement dominicain a déjà dit qu'il n'y avait pas d'accord, etc. Donc, c'est un dossier qui a été loué, mais le gouvernement dominicain ferme, et il est menacé pour le fermer, il a déjà fermé. Donc, on partit en frontière, c'est une zone d'Arabon, qui est dans le nord, alors dans le nord-est, avec Wanamet, donc je ferme partie ça, et il menace pour le fermer ça, si l'autorité haïtienne. On attend que je dis ce moment pour que l'autorité haïtienne et camper et parler avec les Dominicains dans ma homme, et une commission qui est là pour ça, c'est bien qu'il y a besoin sur une table, sur une table de négociation, au lieu que ça avec ZAM, mais Dominicains déployer. Et soldats, et nos zones frontières, nos zones ça même, et l'Assemblée d'après nouvelle lieu que la police haïtienne tout a déployé un groupe de soldats qui est beaucoup d'Haïtiens. Mais tout le monde a babillé parce que dit que ben, là, la poursuite, c'est parce que les Dominicains qui l'ont construit, alors que c'est dans la partie haïtienne, parce que ça fait bien tout parler avec ça. C'est un dossier qui est vraiment sensible et qui était ouvert en attendant d'attendre 14 arrivés pour voir qui ça qui va aller passer, mais en attendant Dominique. Qui ont demandé aux citoyens dominicains pour ne pas aller en Haïti pour qu'on y aille. Et vu que la situation climat et sécurité en Haïti, donc ils ont demandé pour les Dominicains ne pas aller. En attendant, visa, les visa et Haïtiens pas qu'à chercher pour qu'on capable prendre visa pour y aller visiter la République dominicaine parce que pour l'annonce que l'autorité dominicaine fait, elle dit que le eh campé soit fait, division visa par Haïtiens. Et on dit bon. Et il n'y a pas de léger Haïti, étant donné que Dominicains puissent bénéficier de présence haïtienne, surtout dans le marché binational. C'est haïtien qui surtout pour les vins acheter. Alors que si vous avez un frontière que haïtien n'est pas qu'à l'acheter, donc c'est le commerçant dominicain qui va en perdre. Donc très certainement, il n'y a pas de pression là. Si ça arrive, et c'est la première fois que les frontières fermées, et il va y avoir tout le conflit, marché binational là, affecté avec le conflit qui a bien entre autorités de pays. Mais il y a des gens qui disent que c'est pas qui va résoudre sous table de négociation. Et pas de raison pour tout parler de ça. Et puis, ça nous a pris un dado encore. Et. Oui. Mais c'est ça. Et puis, nous avons continué de sport. Haïti. Je ne dis pas Haïti qu'il y a aucun problème, non, mais Haïti est sur une mauvaise pente dans la Ligue des Nations pour la CAF. Après, match que j'ai fait avec Jamaïque hier soir. Et ma chatte de Kingston et Haïti tapé 2 à 0 pendant la première minute dans le match. Dans la deuxième mi-temps, les Jamaïcains reprennent le contrôle du match, ils ont marqué, ils ont attaqué jusqu'à ce que AD, défenseur, une défenseur et ses chansons à Haïti ont gagné. Donc
pour Haïti 2-1 et monsieur continue et attaquer encore et Ricardo Adé encore on pénalité au ballon soufflé ballon frappé dans Ricardo Adé encore et bien et deuxièmement match a égalisé 2-2 et c'est comme ça match a fini malgré prolongation arrêt de jeu qui est fait pendant 5 minutes Haïti soutient avec Jamaïque a son match 2-2 dans Haïti malgré Haïti mené 2-0 ou encore que probablement que Haïti a quelque chose pour le faire t'es grand pile opportunité des deux côtés mais Haïti a une opportunité tout pour augmenter le score là mais malheureusement ça va fait bon en tout cas et Jamaïque soutient avec un nouvel point qui aide il était encore dans tête classement oublia avec 4 points ensuite derrière nous gagne Cuba avec Cuba remporté la victoire tout avec Cuba t'es perdu t'es fait match déjà avec Haïti dans Santo Domingo. Et bien, Cuba qui a 4 points, donc Cuba a pris une place avec Jamaïque. Et puis, Honduras qui a voté la victoire, parce qu'Honduras a perdu la match ouverture face à Jamaïque. Et bien, Honduras a passé 3e avec 3 points, et puis Haïti a 2 points, et puis deux autres équipes net, ils ont même eu chaque gagné 1 point, 1 point. Mais nous rappelons dans le groupe ça, c'est deux équipes seulement qui ont passé dans la prochaine phase. Là. Haïti, le bio est prochain sorti, 12 octobre. Nous sommes en Haïti pour rencontrer et jouer avec Suriname. Et puis Haïti a l'autre match pour jouer avec Jamaïque encore. Match pour jouer dans le centre de Mongo. Son match de visite et dans le terrain et le week-end dans série représenté côté que Haïti est capable de recevoir match. Donc, en tout cas, elle n'est pas bon pour Haïti. Non, si Jean Bala est là, si c'est l'équipe à point, Haïti m'a été fait plus effort pour essayer dans quelle mesure capable. Et remporter reste un côté gagné et puis après pour l'autre pays ou l'autre sélection t'a aidé pour au moins ta fin parmi les deux premiers. Le synapse pour toujours. Et puis t'es grand match entre Mexique, t'es grand match hier soir, mais c'est fait match fin avec l'autre équipe que tu as joué, match à fin 3-3. C'est un bel match mexicain du bec et des ongles, mais finalement il a acheté. Yon match nul. Donc, ça n'a pas pris tout encore, mais je dis à nous là, dans mon cas là, et Jacques-Louis Présenteau, et j'en tiens à travailler sur eux. Et Apple, j'ai fait sortir public, fait présenter par le public là, un nouveau téléphonien, les iPhone 15. Même quand il y a des lancines, font cotisation, même quand il y a des marques, même quand on a besoin de ça, et je sais que Je sais que ça va pas. Donc, iPhone, donc, pratiquement Apple commencé avec et ça. Donc, après un chargeur unique, cap, non seulement chargé iPhone, là, mais la chargé même leur téléphone et tout, même et iPad, mais tout le device, parce que mon seul besoin, c'est ça, c'est qu'il y a une petite tête, c'est qui a servi. Donc, en attendant, moi, je vois email, pas moi, je vois email, pas non, mais appel qui veut dire, moi, préparez-vous là, comment c'est construit les possibilités pour m'acheter. Téléphone ça. Je me rappelle que le téléphone ça va prendre 5 hommes. Et donc, il y a une là qui travaille, bonne pour ça, qui est obligé de changer. Mais la France, tout le monde a demandé pour que, et actuellement pour iPhone, retire sur ma chère et iPhone 12 là. Je dis qu'il y a un problème, qu'il y a un seul problème, le problème de que parfois que je suis obligé de sur ma chère toujours. Pas non plus petit toujours que 12 ans, donc on aura la difficulté de vivre, la difficulté de mettre. En tout cas, ces technologies, on savait, il y a eu la vie dans mon, même le bal à la casserie, il y a eu la mon pour arracher nos voix, pour toujours avancer, donc toujours, pour que tu passes en fait. Parce que, bon, même comme on dit, on m'a parlé surtout de l'autre initiative, bien, quelques. Les publics ont lancé là, il y a plus de critiques qui font, ouais. Mais on ne sont pas contents et ils critiquent. Et les députés républicains ont pris l'initiative pour dire qu'il y a 9 mois sur une enquête sur le président Joe Biden. En un pas sorti, il n'y a aucun résultat, il n'y a rien pour reprocher le président, pour montrer que le président fait un bail qui passe ça.
Mais voilà que vous avez fait encore le président du Sénat, Chuck Schumer, lui-même dit que non, il n'a pas bon ça et que le peuple américain a besoin de faire pour améliorer les conditions de la vie, au lieu que vous avez fait ça relais.